pas parce que j'ai peur. Si je veux laver une blogueuse ou un blogueur, ce n'est pas sur le biais de quelqu'un. J'ai ma page, j'allume, je parle de moi-même. On ne me dit pas ce que je dois faire. Voilà comment la mendiante Ngringa, avec sa bande de Toto, la TKTBE, c'est la TKTBE, Ngringa TBE, mendiante à Promax. Envoie la TKWU avec son général, Christian de Monatele. Le gars qui a la peau la plus décapée. Un homme qui est dépigmenté jusqu'à l'air. Avec les quintos. D'aller partager. D'aller mettre le show où on lave Flore. Voilà comment j'ai lancé le live le jour là. Et comme je ne suis pas bête, avec après le message qu'elle va venir partager là où on va laver Flore. Moi, il y a une coquée. Si c'est les généraux qui viennent me dire que on doit laver Marco. C'est pour dire que la reine est au courant qu'elle a partagé, elle a liké. Voilà comment donc. J'ai changé le PayPal. J'ai mis ma part. J'ai mis mon PayPal. Parce qu'ils ne savent pas lire. Leur reine ne sait pas lire, ni écrire. Elle ne sait pas compter de 1 jusqu'à 10. J'ai saisi mes opportunités. Dans la vie, il faut saisir les opportunités. J'ai saisi mes opportunités. Donc mettez d'abord le cœur pour moi ici, s'il vous plaît, que je continue. Et que la reine mère, qui est au courant, elle connaissait depuis que non. Donc c'est elle-même. Elle n'est pas. Je vous ai dit, elle ne vient pas d'elle-même. Elle envoie ses généraux. Je vais vous montrer la preuve. Ces généraux qui ont demandé qu'on doit publier. Moi je parle avec les preuves à la pluie. Hein. Mettez-moi les cœurs partage. Je ne sais rien. Vous partez, le Congo, c'est fini. Ça qui est ça. C'est le père de Sawa qui parle. Quand vous venez chez moi, vous respectez les conditions. On commence par la base. Je vais vous présenter les généraux de la TKC. Une vieille maman a manqué de plaisir. Pensez que Tobichou est bête. Le père de Sawa n'est pas bête. Oui. Je ne peux pas travailler gratuit. J'ai tapé mon PayPal. Ils ne savent pas lire. Ils ont tapé le PayPal sans lire. Maman, attendez. C'est les mêmes membres qui ont envoyé. Je vais vous montrer. On met les cœurs pour Tobichou. On partage. On met les cœurs pour Tobichou et on partage. Je vais les traiter pendant 2 mois. Les voilà ici. Voici les généraux là ici. Ah, c'est par Messenger d'abord. Avec les notes et les lignes de Tata Lolo qu'ils ont envoyé. Bon, Tobichou ne manque jamais. Le pauvre. Vous voyez qui me dit le porc. Est-ce que vous comprenez? Là, comment donc aller dans l'ancien le direct? J'ai réfléchi que, hey, comme c'est un dinar qui va partager, il y avait le monde. Le direct a fait plus de 10 000 vues. Je vais vous montrer. Le direct a cartonné. Ça a fait 10 000 vues. J'ai dit plus de 10 000 vues. Le direct. Ça a fait plus de 10 000 vues. Ça a cartonné. J'ai dit que maman, que de travailler gratuitement, je colle mon PayPal. On ne peut pas faire le sale boulot, moi, et chop. Je chop. Je vais vous montrer. Le bichou est toujours préparé. Hein. Le bichou est toujours prêt. Donc, ne dites pas que. Oh. Le bichou est toujours prêt. Voilà ça ici. Le direct a fait. Voilà ça. Dans la nouvelle page, ça paye après ça 11 000 vues. Vous voyez, non? Je peux tourner par derrière. Regardez. Le direct a fait plus de 10 000 vues. Avec les Mafo, les Lolo, les Katana, vous avez vu, non? Plus de 10 000 vues. Parce que Ngringa la mendiante, était derrière. De se séparer de la tête cassée. C'est un acte qu'on doit applaudir. Parce que leur reine-mère n'a pas eu une maladie normale. C'est une maladie qu'elle a eue aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à cause de la jalousie. Parce qu'elle a cherché les couloirs où elle devait finir Flore. Ça l'a dépassé. Là, voilà, aujourd'hui, elle est dépressive. Ngringa est dépressive aujourd'hui parce qu'elle a cherché les couloirs
qui mène pour aller finir quinquam, ça a dépassé. Ça l'a déposé au carrefour. Ça a cuit, ça attaque. Elle a eu le karma, la dépression. Au point où elle vous présente les comprimés. Est-ce que vous comprenez? C'est Fleur de Lune qui l'a rendue folle. Il l'a rendue folle. Folle. Que parce qu'elle convoitait, elle voulait avoir la place de Flore. C'est là que la TK Tebe, la TK Wouhou, sont venus dire que ils ont été bêtes au départ parce que c'est eux qui ont formé les abeilles. C'est eux qui ont donné, ils ont donné, ils ont. Donc, le temps qu'ils ont perdu à fabriquer Flore dans ces guerres, à élever Flore, c'est le temps qu'ils devaient perdre pour élever Ngringa. Maman, quand on met les graines dans la terre et que l'arbre sort, vous vous êtes comportés comme des bêtes. Et je vais vous dire une chose. S'il y a une chose qui est vraie dans Meta, moi, je suis une personne qui a la vision, je vois. Je ne suis pas bête. Au contraire, c'est votre analphabète qu'on appelle Gringa, votre patronne, la Tebe, que vous devez partir marcher de village en village pour aller la soigner. Vous m'avez dit que je suis un petit perdu, que je manque de matière grise. La personne qui manque de matière grise, c'est votre patronne, la bête Gringa, devenue égérie d'une marque de produits qu'elle a signé le contrat à travers les voices, à travers le direct des gens. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs à Toby Show. Partagez le direct. Votre patronne Gringa, c'est la plus teubée. Si moi je suis bête, comme vous avez dit, sachez que c'est votre bois là, le bois. C'est le bois. C'est la plus teubée. Elle est plus teubée que moi. Parce qu'à son époque, l'école primaire publique était gratuite. Le lycée était gratuit pour moi. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, elle signe le contrat à travers les voices. Si je manque, demande à Sagrita Boss. C'est-à-dire que si je prononce son nom, elle va me renvoyer au Cameroun. Demandez à Gluta Boss, je prononce son nom. Demandez à Gluta Boss, Amélie, quand Gringa a signé le contrat chez elle, comment? Elle n'a jamais pris le bic et la feuille. Elle n'a jamais pris le bic et la feuille pour écrire. Elle a parlé. Bonjour, patron. Hein? Il dit que pour le contrat, là, on fait comment alors? Bon, tu vas écrire comme ça, hein? Moi, Pépéti, Maléva, je m'engage à respecter le contrat des produits. Vraiment, patronne, merci pour la chance que vous me donnez. Hein. Vous sauvez une vie. Il n'avait plus à manger. Voilà comment elle a signé le contrat. La Glutabot peut même dire au jour d'aujourd'hui qu'elle ne lui paye plus. Elle travaille gratuitement. Parce que c'est un contrat qu'on a signé dans les voices. On a signé les contrats à WhatsApp dans les vocaux. Donc, elle a signé un contrat sans lire. Parce qu'elle ne connaît pas lui. Lui, elle n'a pas envoyé Christian d'aller la représenter. Parce qu'elle connaît que Christian d'abord a d'abord honte de lui. C'est un gars qui est franchement, il est malade. Comme s'il est pas, c'est comme s'il est malade. Avec la peau. J'ai soutenu cette mendiante, cette affamée, cette rongeuse, cette refoulée. Moi, je lui ai apporté beaucoup. Elle m'a apporté quoi? Elle est venue à un parti politique dans Facebook. Elle veut être ministre. Maman, même quand un ministre n'a pas été à l'école, ils sont au moins se lire. On ne devient pas ministre à travers les voices. Oui. On ne devient pas ministre à travers les voices. Au point de me dire que je suis tellement petit, que je suis pas au niveau pour être secrétaire, mais qu'elle va me trouver une place. Gringa dit que je n'ai pas le niveau pour faire, pour représenter un secrétariat. Par contre, elle, qui ne sait même pas lire,
B-A-B-A, B-O-B-O, B-U-B-U, elle ne connaît pas. B-E-B-E, B-E-B-E, elle ne connaît pas. Parce qu'elle est teubée. Mais elle dit à une personne qui est partie à l'école que si on tape mon nom au Cameroun, on verra mes diplômes, au moins c'est que moi j'ai eu. Elle passe à soi, elle lui message comme ça. Elle remarque seulement les mauvais commentaires avec les stickers. Si elle voit le temps, donne-moi le poste là, je vais bien travailler. On me signale, vous entendez quand il parle. Je lui dis que ma pépé, donne-moi le poste là, je peux. Je suis parti à l'école. Je sais lire, je sais écrire. Elle n'a pas compris le sens de ce que je voulais lui dire. Parce qu'elle m'a rabaissé. C'était en plein direct. Pour ceux qui ont vu le direct. Pour ceux qui ont vu le direct. Elle m'a rabaissé. Et je lui ai mis le bim. Que je sais lire, je sais écrire. Elle n'a pas compris ce que je voulais pas la dire. Pour dire que c'est elle la teube. Donc, tête dure. Teube. Aujourd'hui, demain et après-demain. À partir d'aujourd'hui, tu resteras la collègue certifiée pour ne pas dire la tinda, la chèvre, comme la brouteuse qui est au Canada là, celle-là qui casse les oreilles des gens, celle qui la peau est à fatiguer, le corps est à fini, fini, tu es en train d'emmerder les gens. Tu vas finir comme celle-là, que même une tête blanche ne pourra même plus couler là-bas en bas. C'est la tari, 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 tari sec, comme les fleuves du Niger. C'est toi qui veux rabaisser les gens. C'est toi qui veux ridiculiser les gens. Moi, je suis parti à l'école. Je peux te lire tout ce qu'on a écrit ici. Je peux lire tout ce qu'on a écrit ici. Je ne vous sens même pas. Vous êtes minable. Vous êtes minable. Aujourd'hui, demain, après-demain. Même la veuve joyeuse dépasse votre patronne. La mendiante. Même la veuve joyeuse te dépasse, Gringa. Parce que Flore, c'est ton terminal. Même Lolo, tu ne veux pas Lolo. Lolo te coiffe aujourd'hui, demain et après-demain. La seule personne qui pourrait te représenter en tant que représentante de la TKOU, la TKTB, ça pouvait être celle de l'Italie là. Mais alors, elle-même, elle est comme un cadavre en décomposition. Il n'y a personne pour rattraper l'autre. Gringa a appelé la pisseuse de l'Italie pour lui dire au téléphone que tu vas répondre à Flore en tapant sec que tu ne laisses pas Lolo. À partir d'aujourd'hui, tu clashes encore Lolo, on te clash. Je te pulvérise. Ça reste la première. Elle reste, Lolo est la grand-mère de Sarois et de Saroise. Confinée. Ça ne chauffe pas. Le jour où Lolo a dit que tu as appelé Ngringa, elle ne manque pas, c'est la vérité. J'ai dit Ngringa. Propre au téléphone, moi. J'ai dit Gringa au téléphone. Maintenant, comme je suis trop intelligent, devant vous, j'ai fait le 5. Même je ne sais pas la je vous appelle Gringa au téléphone. Qui veut vous dire? Je vous appelle les Gringa. Les teubeurs. Oh, oh, oh. Tobichou, le lion dit ça. Le père de Sarwa de Sarwas. Quand vous voyez votre bouffon là, votre bouffon et votre bouffon de père là, quand vous les voyez, vous voyez qui a besoin de soutien. Vous avez compris un jour que moi, j'ai fait l'opération canapé un jour, mais votre patronne a fait 25 ans de ville commune dans le camion rouge, maman, en hiver, en été, en automne. Avec l'hiver, ce qui est passé, le froid pouvait tuer quelqu'un. Votre patronne a fait 25 ans de camion. Voilà pourquoi sa peau est comme la peau de l'éléphant. À l'air dur. La peau est dure. Même pas une paire de blanche. Je vous remets ça propre. Et puis vous dites que vous allez faire ça. Vous avez lavé la lionne ici. La mère de la lionne, au moins, c'est. Elle, même si elle est commerçante, c'est une grâce. Et elle sait lire. C'est la guerre. Dans la guerre, c'est la guerre. Mais sinon, la maman de la lionne, on a vu les photos là. Gringa, tu ne la vaux pas. Tu riais ici qu'on lavait sa mère. Tu partageais. Mais la petite masse qui est là en commentaire t'a montré qu'elle ne sera jamais ta Tinda. Voilà pourquoi tu es frustré. Et Isaac avait peur que la lionne prenne sa place.
Mais la Lyon, Isaac Cam. C'est vrai que tu as confondu le blanc avec le Nkassa. Le père de la fille d'Isaac Cam, c'est un Nkassa. Je ne pense pas que la Lyon, qui est au Cameroun, si le Nkassa lui drague, elle va accepter. Ce n'est pas facile de rester proche d'un Nkassa. Les odeurs de ça. Il n'y a qu'une fille qui a grandi dans la poubelle, mariée dans la poubelle, qui a le caractère poubeltique, le caractère de mignon, l'éducation de la porcherie, qui peut supporter le Nkassa. Jusqu'à faire le Mouna avec le Nkassa. On connaît quand une fille a le blanc. Tu as vu Sandra Rose, tu as vu Nancy, elles sont les blancs, on connaît les blancs. Tu es parti porter le diplôme sur un Nkassa qui bagarre la pension de ta fille avec toi. Si je mens, qu'elle porte plainte. Donc, quand ça bagarre la pension, quand le social envoie la main de l'enfant, ils font le dormant, ils divisent ça en deux. Quand ça la boxe, c'est là qu'elle vient lancer le direct pour dire que oh là 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 là, tous ses voisins se sont à plein d'elle. Qu'elle passe le temps à merder. Qu'elle passe le temps à nier. Elle a quitté de l'Italie pour arriver en France, pour venir suivre sa mère, la mendiante, avec un pantalon percé aux fesses, à Dama, avec le pantalon percé. Hein? En tant qu'une team des responsables que vous dites, vous prétendez être, maman, je ne crie pas avec vous. Je vous fais ça salement et durement. Je vais vous montrer le fameux pantalon. Là, voilà. Attendez, mets le filtre, la luminosité, pour bien voir, parce que c'est qu'elle est tellement noire et ça, les crates. Là, voilà. Elle était habillée là comme le Père Noël. Le Père Noël qui a atterri au Carrefour Bombay, à Yaoundé. Le cœur que vous voyez là, c'est un design pour distraire le trou qui est en bas. Elle a un gros, le pantalon là, qu'elle fasse le direct, elle nous montre, elle nous présente ce pantalon, vous voyez le bas. Non seulement d'abord, le pantalon est bleu, mais en bas, c'est à blanc. Les fils du pantalon sont devenus blancs, la saleté, le koum-koum, la glaire, accompagnée de sa dame shit, la patronne. Mais voilà. Méfiez-vous des chiites qui laissent les cheveux au vent dur comme ça. Regardez. Elles sont comme les gorilles qu'on a chassés en Amazonie. Regardez-les. Et la tête à mes billes, ils veulent me parler. Maman, je suis parti à l'école. Je suis parti à l'école. Je suis parti au school. Je ne suis pas parti en classe. On peut comprendre encore que tu as refusé l'école. Parce qu'elle a refusé l'école. Que tu es né bête. Mais jusqu'à la propre signature, Ngringa ne connaît pas signer. Elle aurait appelé son trop beau pote, qu'on appelle Thierry. Celui qui a la tête comme les noyaux du chat. De venir signer à sa place. Un couple où le gars loue, il a son studio, l'anga sa maison, mais il prétend dire qu'ils sont ensemble. Je vais vous dire comment Gringa fonctionne avec son boyau là, son brouteur là, appelé Thierry. Thierry Mimban, que je rince ici, parce qu'il fait partie de la famille des Mboulan Kinkin qui représente. Quand Gringa reçoit les PayPal, des personnes de bonne moralité. Là, c'est pas la fille qui met le litchi là-bas. C'est les sympathisants, les gens d'ailleurs qui ont pitié parce qu'ils ont compris que les orphelins. Elle a trouvé une stratégie pour anarquer les gens. Gringa, parce que Gringa a dit que Flore, pour le billet d'avion, elle dit que Flore, c'est une anarqueuse. Je vous dis ce que Gringa a sorti de sa bouche. Que Flore est une anarqueuse. Elle a anarqué les gens à cause de sa mère, Mahana. Elle oublie de dire que Flore est née avec son étoile. Que tout ce que Flore fait, ça prend. Par contre, elle est assise, elle fait le luti. Elle est assise comme une braiseuse de maïs. Il part de m'insulter. Insulter qui? Qui? Vous la tachez. Vous la brossez. Vous retirez l'huile, le gasoil, la graisse, le beurre qui est sur elle. Et puis vous revenez me parler. Parce que pour une fille qui représente une team, une fille qui représente une grande team comme la vôtre là, hein? Une fille qui représente une team comme la vôtre n'est pas comme ça. C'est quoi ça?
On dirait le petit qui a fait 25 césariennes. C'est quoi ça? Maman, elle a trimballé les odeurs de l'Italie. L'odeur du pourri de l'Italie jusqu'en France. On dit que quand Isaac a mis ses pieds en France, toute la France était en l'air avec les odeurs. Les gens criaient seulement alerte, 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 alerte. Les gens mettaient les pinces. À la soirée de Marfo, c'est tout le monde qui a les narines comme ça. Elle a porté la robe avec un gros caleçon. Ça baillait en bas. Les odeurs se baladaient seulement comme ça. Les odeurs de ça. Quand petit pays est entré dans la salle, il a commencé. Domba, domba, domba. Domba, ouais, il est parti de côté avec le nez comme ça là. Elle est partie pour finir. Elle a mis toute la salle en l'air. Elle a levé la salle en l'air. Avec ses odeurs, avec élégance. Et s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Désormais, toutes les membres de la TKU, y concernant les Canadiens et consorts, je traite le dossier maintenant sur ma page. Vous êtes mon sujet. Et moi, je suis votre actualité. Mettez les cœurs pour moi, s'il vous plaît. On chute un peu. Mettez les cœurs pour Tobicho, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour moi. Ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas le qui veut. C'est le qui peut. Est-ce que vous pouvez alors? Vous faites ça que vous avez. Ils vous regardent, ils vous laissent. Moi, là, je vous pulvérise. Je vous atomise. Je vous donne ça sale. Je vous fais ça sale. Sans pitié. C'est la Bible qui vous caresse. Quand moi, je m'assois sur la TKU, quand il m'assoit sur vous, ce n'est pas le quartier. Ce n'est pas le quartier. On a un direct de Congo, ça. Il y a 151 personnes. 23 cœurs, 4 partages, tous ceux-là qui sont venus, ou bien qui sont à la fenêtre là, vous libérez le direct. Je n'ai pas besoin des gens, des insensés dans mon direct. Je suis reconnu. Ça ne chauffe pas. Je suis reconnu, je suis connu. C'est pas le lait. Je ne donne pas le lait. Le plus important ici, c'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis. Je vais vous rendre la même pièce que vous avez fait à Flore, à Lolo, à Katana. Je vais vous rendre la même pièce. Moi seul, je vous gère, je vous traite, je vous allume. On va aller, on va progresser rapidement. Ceux-là qui veulent appeler, la ligne est ouverte. C'est même comme on a fait à Marfo. C'est la même chose qu'on a fait à Marfo. La ligne ouverte. Donc appelez, parce que le numéro en bas, on prend d'abord les premières personnes parce que j'ai vu beaucoup ont envoyé des messages là. Vous pouvez lancer l'appel. S'il vous plaît, chacun, on ne vient pas durer ici. Chacun dit qu'il a 10 minutes, 2 minutes et il est de s'exprimer. Donc appelez, la ligne est ouverte. Appelez, c'est ouvert. La ligne est ouverte, appelée. La ligne est ouverte. On va vous faire le même traitement. Venez partager le direct. Partagez. Vous êtes diplômé en partage. Ça, c'est vrai. Là-bas, personne ne vous peut. Vous êtes diplômé en matière de partage. Téléphone sonne. Appelez. Appelez. C'est ouvert. Il parle d'abord les premières personnes. Il y a beaucoup de tout là. Qui s'est confiné comme moi? Appelez, mais j'ai appelé. Appelez. Les gens, les amours, appelez, je suis à votre disposition. Appelez, propre, la TKU partagée.
Coucou Toby, je suis à mode gratuit, je partage seulement. Ouais, ma personne, laisse. T'as pas ma venue, c'est qui sûr? C'est ça. Tu me soutiens depuis. Depuis. Ça va aller. Ne dérange pas. Diro, c'est une blague. Appelez. Tiens les messages là, mais lancez les appels, c'est nous. Je tiens à dire ici, vous qui lancez les appels là, on ne manque pas le respect, ni à Flore. Près de 3 semaines. Mais pour vous, va durer 2 mois. Pour vous, va durer 2 mois. Je ne suis pas bête. Avec une team, on l'a cassé. On ne rit pas. Vous avez vu que la Lyonne n'est rien, elle ne vaut rien. Mais regardez là au Cameroun, comment elle est. Regardez votre bêtise d'Isaac, comment elle est en Italie. Vous croyez qu'une personne qui est en Italie peut être aussi sale comme ça? Au point d'insulter les gens dans les réseaux, avec tous les produits qu'il y a en Italie. L'Italie a les meilleurs produits corporels, même au niveau de cocorico pour sentir bon. Que quand tu es même devant le gaz, ça ne sent pas mauvais. Mais Langa a réussi à arriver en France et donner les odeurs. Quelqu'un appelle là. Allô? C'est quoi le problème? Non, ma chérie, c'est ta tête ce qui a commencé, donc on finit depuis qu'ils ont commencé. Tu n'as rien à négocier. Que Flore soit contente ou pas, ça vous regarde. La TKC n'a rien à dire ici. La TKTB, vous n'avez rien à dire. C'est les abeilles qui appellent ou les Sarrois ou les Sarroises ou les Lionceaux ou les Lomania et consorts. Ouais, n'appelez pas sur le numéro, n'appelez pas normal. Appelez sur WhatsApp, n'appelez pas normal. Le direct, c'est pas ça. La SIM est dans le téléphone ici. Le WhatsApp est dans l'autre téléphone. Appelez par WhatsApp, on va vous prendre. Comme tout le monde. Bonjour, c'est possible d'appeler. Appelez. La bargeance, c'est un plat qui se mange au froid. Appelez, il y a un numéro qui vient d'appeler encore aux États-Unis. Appelez. Appelez WhatsApp, on va vous prendre. On vous écoute, vous avez le droit de parler. Douce vengeance avec tonton Toby Chou. C'est ça qui est ça, ça va très vite. Hein. Quoi? Appelez via WhatsApp, je récupère. Je ne sais pas si ça n'appelle pas ici. Non, pas le droit d'appeler ici. Non, pas le droit d'appeler. Je ne pas où, vous n'appelez pas ici, s'il vous plaît. Je vous rends la pièce. Appelez via WhatsApp, n'appelez pas normal. Maman, il y a au moins trop d'appels anormaux. Hein? Ce que vous voulez donner, merci. Ouais, maman, j'ai trop parlé, mais je ne suis pas fatigué. Merci. Maman, tu l'as décassé. Quoi le numéro, ce n'est pas ça. Appelez. Le numéro est épinglé en bas. Le numéro est épinglé en bas. Le numéro qui est épinglé. Le numéro est épinglé en bas. Le numéro est épinglé. Le numéro est épinglé en commentaire. Voilà ça qui est épinglé là. Le numéro est bien épinglé. Je remets encore là. Je commente encore le numéro. Je mets encore le commentaire. Le numéro est épinglé. Attendez, je mets le numéro. Je l'épingle encore. Va vous traiter à la façon des birois. Appelez mes chouchous, appelez. Je mets encore le numéro bien. Je ne prends pas le numéro, si ça a été cassé. Je connais le numéro. Bonsoir Toby Chou, sois maudit. Maman, merci. C'est vous qui êtes maudit. Elle dit, tu penses que Ngoï va t'aimer? Voilà. Appelez. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Vous êtes à Béo? Du Canada, oui.
On a fait ça à fleur de lit, je refuse. On rend la pièce à Ngossa. On rend la pièce. On rend Wallace. On rend Wallace. On vous écoute, madame. Mais le conseil, on ne le conseille pas ici. Il vient d'abord son dernier 2 mois. La situation, c'est que depuis hier, tu as commencé à faire. Les gens m'ont dit tourbillon, les gens m'ont dit ceci, cela. Mais je crois que dans ça, tu as pleinement raison. Cette femme de Bétu Maliba est très. On rend la pièce, bravo. Et je vais te dire quelque chose, Toby. Tu dis qu'on ne conseille pas au conseil, mais je vais te dire, ça, ce n'est même pas une team qui peut te grandir, mon petit. Et derrière eux, moi, je te dis, ça, ce n'est même pas une team qui peut te faire grandir. Vous parlez bien, madame, merci. Je ne suis pas monté cassé. Toutes ces soeurs font quand même l'effort de faire quelque chose, de créer quelque chose. Elle est toujours dans une aide. Bravo, madame. Est-ce que. T'es cassé, elle, dirait le plus dedans. Madame, parlons, vous écoute. Finis, Ngossa. Elle est toujours dans une haine viscérale. Donc voilà comme son petit frère. Tu es venu pour la. Pour la supporter, pour la donner une main forte. Pendant que dans des situations. Pendant qu'elle est dans des situations comme ça. Mais mon petit, elle ne peut pas être reconnaissante. Elle va chercher qu'à t'utiliser pour maintenant là qu'elle a besoin de toi. Mais après, elle va te jeter comme une chaussette. Toi-même, tu confesses avec ta bouche que. Tous les autres teams où tu es passé, mangue, pourtant ils ne sont pas dans la bouche ensemble, chaque jour. Ils sont ensemble chaque jour. Quand les gens arrêtent de dire que ceci, cela, ce qu'on ne peut pas dire, mais dans ce genre de méchanceté, elle te pousse, toi, elle est comme toi. On va dire que moi, je dis qu'elle te manipule. Moi, je dis ça. Elle t'a manipulé à faire des choses graves. Elle ne peut pas. Elle a envoyé les choses. Elle a envoyé ses généraux de venir, c'est comme si, on doit finir Flore. Elle savait que le même soir, elle a envoyé de finir Flore. Il n'y a plus ça. Qu'elle reste avec son repasseur. Le repasseur va la repasser. Il va repasser dans ses yeux. Pas quelqu'un qui dit qu'elle est belle. Sors de Congo, Miamou, elle retire les yeux comme ça. Tu vois le truc qui était dans l'eau. J'ai vécu à Cité Berge. Tu connais dans le marécage. Oui, je connais, maman. Le beaucoup là. C'est le beaucoup là. Les yeux sont gros comme ça. C'est gros. Oui, j'ai vécu dans le marécage. Oui, le beaucoup, le beaucoup. Il y a un truc là dans l'eau. Oui, c'est le beaucoup, c'est la grenouille. Je connais ça. Les yeux comme ça, comme pour elle. Oui, madame. Elle va sortir ça pour dire que quand elle a les problèmes, elle est dépressive. Elle dit qu'elle est dans la dépression aux gens. Elle fait tous les ouvrés qu'elle fait maintenant qu'elle n'est plus dans le place là. C'est le litchi qu'elle cherche. C'est le litchi qu'elle cherche. Oh, je ne suis plus dans le cas, je ne suis plus dans le place. La famine de ça. La famine de ça. Bah toi comme tes soeurs se battent, chacun fait le tchaka tchaka, chacun fait même si ça ne dort pas. Même on fait la télé, ça ne dort pas. On fait même les choses, ça ne dort pas. Mais au moins on fait quelque chose. Mais au moins on fait quelque chose. On a nos familles. Tu comprends notre hobby. Même toi, si tu veux faire un don maintenant, tu dis à ta mère, voilà 100 000. Va dans tel orphelinat, donner même 200 de riz. On n'a pas besoin de passer par elle. Elle est le porte-parole de personne. Tu ne sais ni lire, tu ne sais ni écrire. Et tu dis que tu es notre porte-parole pour aller donner les dons. Abîme tes zéro litchi. Go 3500, go 40 000 euros qu'on a cotisé, go 100 000 euros. On va cotiser. L'autre jour, on a cotisé 160 euros. Tu vas lire l'heure sur le calendrier chinois. Tu comprends, non? Zéro tu vas lire l'heure sur le calendrier chinois. Va travailler, madame. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu étais une femme honnête, ça, je le dis, c'est vrai pour toi, madame Bébé, tu m'allais pas. Toby, suis-moi. Toby, on vous écoute, madame. Si elle était une femme généreuse, comment dire que les enfants de maman perpétuent. Toby, dis-moi, quand elle a vendu le terrain, comment elle a vendu là, elle n'est pas venue prendre même 2 millions, faire les dons avec Toby. Dis-moi, ce qu'elle n'a pas pris même 2 millions, faire les dons avec. Ouais. Elle a vendu le terrain, manger tout l'argent, c'est fini. Attendez, elle a fini de parler, vous allez appeler. Maman, parlez, on vous écoute. On vous écoute. Que la famille la dérange. Ben, si le litchi chez moi, cotisez chez moi, maman. Mon litchi est là, cotisez chez moi. Papa, tu sais, je m'impose, j'attends les autres parler. Je suis là. D'accord, merci, madame. Il faut mettre là mon litchi, madame. Là, tenez pas, tenez chez moi. Merci, la mère. Merci. Soutenez-moi. Soutenez-moi. C'est une femme qui est dans le fait. Tu as vendu le terrain, manger tout l'argent, tu n'as pas pensé aux orphelins. Quand tu es rassasié, maintenant la famille te prend encore, tu penses aux orphelins. Laisse les orphelins où tu t'habilles. Elle connaît les jours de paye des followers. On paye le 7, le 15. Yeah! Yeah!
Mama. Hihi, Ninga. On va ton lutte là, non? Ça va seulement venir chez moi, maman. Soutenez-moi, la mère. Ok. Une personne, c'est bon. Attends, je te coupe mon lutte. Je mets le lien une fois pour le lutte. Maman, moi-même, non? Je soutiens maintenant. Mon association, Gringa, tu es mal parti, maman. Les amis vont te rendre la paix. Appelez le numéro, là. Appelez. Je mets encore le numéro en commentaire pour que vous puissiez bien voir. Appelez. Partagez. Moi, j'ai besoin de soutien, maman. Des bons soutiens, pas les soutiens qui dansent là. Je ne veux pas les gros soutiens, mais les petits soutiens. Maman, soutenez-moi. Je suis staff certifié. Vous ne me devez pas me donner à qui? Moi-même, non, je suis le père des Sarois et des Sarois. Ça ne le sont pas. On vous paye. On vous paye le. On vous paye le 7 ou le 15. Elle connaît comment elle connaît vos jours de paye. Maman, elle peut manger, c'est un métier aussi, hein? Non. Tu vends le terrain. Tu ne soutiens pas les orphelins, donc tu dis que non, tu es la mère des orphelins. Mais tu vends le terrain, tu ne soutiens personne. Quand tu finis de manger, tu as encore faim, tu demandes combien cotiser. Quand tu exiges les jours de paye. Maman, et tout sinon, moi, il y a des prêts. Are you sure you pépé? Yes. Pas cher, je t'ai trouvé. Appelez ici. C'est où la ligne est ouverte. On ne peut même pas chauffer. Allez, mets encore le numéro en commentaire. Avec mon profil. Franck Dussard. Attendez, je vais mettre le numéro en commentaire. Mets le numéro en commentaire. Oh, maman, les nouveaux followers de ça, maman. Merci aux nouveaux abonnés. Merci. C'est le père de savoir, partager, c'est de bonne guerre. Ils vont appeler pour faire quoi? La TKS n'appelle pas dans mon direct. Ils vont appeler pour insulter Mafou. Jamais. Mais c'est pas Mafou ici, maman. Ne me gâtez pas le marché, s'il vous plaît. Ne me gâtez pas le marché. Ah, même 15 marchés. Voilà. Alors, je mets encore le numéro en commentaire. Appelez. Laisse-les insulter. Ok. On vient s'abonner à la page Lion Star. Lion Star. Le Lion du Star. C'est ça, non, le Lion du Sahara, c'est ça le nom de la page sur laquelle je suis actuellement. C'est ta nouvelle page, non? Ouais, ouais, c'est la page du carton. Oui. Que les gens viennent s'abonner là-bas, que les gens t'aident. Que les gens t'aident, parce que venir nouvellement en Europe, ce n'est pas facile. Ceux qui ont des conseils, des petits sous à te donner pour que tu possèdes des loin même de ces vieilles femmes qui avaient leurs auras déjà négatives. Toi, tu vois, flambant comme ça, là, elle n'a rien fait. Elle va te mettre son tutu à la balle, elle va te donner aussi avec ça. Tu comprends, non? Elle va prendre ça sur toi, son joujou à la balle, à sa poisse, elle va montrer ça, il faut t'éloigner d'elle. Tu comprends? Il faut t'éloigner d'elle. Au jour d'aujourd'hui, là, elle a fuck up. Tu comprends, non? Elle a fuck up. Une femme comme ça, là, elle, tu la vois maintenant calme, là, elle est si pire dans les classes. Parce qu'à Denis, de Momouni, elle est un peu en train de guetter. Tu sais, quand tu es à la maison, là, tu es en train de cailler le poisson, et ton chat, il te connaît déjà, il sait que tu vas le frapper haut. S'il vole, mais il te guette, dès que tu te lèves là, il y a pour fuir. Mais c'est ça, il y a l'argent, les portes qu'on a des gens du mois pour voler comme ça là et aller avec. Madame, on a dit que Thierry est devenu quoi? C'est sur toi qui va faire. C'est sur toi qui va faire. Tu es parti d'allier. Oh les Patricia, oh les Reine Mébio. Reine Mébio va vendre d'abord le gluta. Elle va chercher d'abord à prendre ta place le gluta. Du sale à l'air, non. Oh, mon frère, tu peux faire du sale au nom de quelqu'un. Tu as même une récompense. Des chiches comme ça, là, elles peuvent te donner quoi? Des affamés. Je suis au Canada avec elle. Quand tu vois Toby, le numéro qui t'appelle là, c'est un numéro de Montréal. Voilà. C'est un numéro de Montréal. Et si elle veut même Toby, tu lui donnes mon numéro. Parce qu'avec ça, elle peut me retracer. Tu lui donnes mon numéro. Je la gère propre. Je suis une fille de 37 ans, une Camerounaise à Montréal. Elle voilà. Vient, elle ne peut même pas. Voici le savoir. Je dis même si après tu as rencontré Toby, elle me dit que je donne-lui mon numéro. Ça, c'est la paille des savoirs. Et je suis du même village que elle. Mon fort ennemi, mon Fadi. On dit ce nom en bâtard que Fadou. Fadou. Maman. Dis-lui. Elle fait pas
pas la clasher n'importe comment. Donc ces petits elle vient à l'angle d'une maison. Depuis quand tu entends, on dit que maison ici là, c'est le crédit. Moi, ce qui te dit là, je viens de prendre ma part un triplex. Tu comprends, non? Et un triplex là comme ça, tu donnes 10%. Sa part de maison comme elle a pris là, c'est 5% que tu donnes. Mais si elle a pris une maison de 400$ à 5%, ça ne vaut même pas 20 000$ qu'elle a mis. Tu comprends, non? Et pour payer comme ça sur 25 ans. C'est sa maison car préposée. Ici là, Toby, une préposée aux bénéficiaires de la maison. Nous, les infirmières, comme ça, on ne commence pas avec le salaire d'une préposée. Chez nous, c'est une préposée ici. Tu ne la peux pas, Toby. Tu vois une préposée ici là. Ce n'est pas n'importe quoi. Elle est plus crédible auprès des banques. Je te dis, si elle était crédible, c'est que même l'un coup ta voiture, la gueule là, c'est qu'elle a changé. Je te dis, Toby, le numéro qui t'appelle, c'est un numéro du Canada. Oui, si elle veut après, si je la fais, un défi que je lui donne, elle te choco. Même 200$, tu lui donnes mon numéro. Avec ça, elle peut me retracer. Je vais la faire lire. Oui. Soutenez-moi, le donnez-moi rien là-bas, soutenez-moi. C'est une mamie pompe funèbre. Tu la vois comme ça, c'est une mamie pompe funèbre. Soutenez-moi. Un shit comme ça là. Non, mais on va pas parler de ce gars, c'est chaud. Eh, papa, de ce gars, papa. Oh, ma maison, c'est ta maison. Nous tous, on est dans le crédit. J'ai dit crédit. Voilà, elle ne peut même pas, moi, elle ne peut même pas, parce que mon crédit est plus que pour elle-même. Mon crédit, c'est un triplex. Elle, c'est une familiale. 5%. Ce n'est même pas 20 000$. Elle a mis 20 000$ là, ce n'atteint même pas 10 millions de francs qu'elle a mis en gage. Bon, quand tu mets pour de ton conseil, tu payes au, pour moi, mon échéance est sur 25 ans. Le genre de poids à moi, la chèvre, qu'elle n'a rien à payer même sur 35 ans. Elle a quoi? Elle a quoi? Dis qu'elle te montre son lit. Dis qu'elle ne montre pas que la cuisine. Dis qu'elle te montre sa chambre. Parce que tout ici est même à crédit. Mais même pour faire le crédit, il faut être. Toby, ici chez nous, au Costco. Je te dis, on te supplie de prendre ça à crédit. Le frigo là, ça n'est même pas 3 000$. C'est à crédit, mon petit. C'est payable au moins 2-3 ans. Le frigo qui tourne le café, maman. Papa, nous vivons que du crédit en Europe. Laisse tout ça. Allô, maman. Dis qu'elle ouvre le frigo, elle montre ce qui est dans le frigo. Tu montres que le dehors du frigo, tu ne montres pas le contenu du frigo. Tu montres l'intérieur du frigo pour faire quoi avec. Elle met la pizza dedans. Elle t'a déjà montré une chose. Regarde l'autre qui est parti l'autre jour qu'elle va faire le coq. Maman, c'est comme moi pour le carburant, maman. Non, on va sécher des dents pour moi. Donc, tu finis de préparer la nuit, tu éteins le feu sur ça avant qu'après ça reste, ça cuit encore. Maman, la diarrhée de ça. C'est quoi que tu nous montres comme ça? Quand le coq est basse, le coq est basse. C'est aussi pour la fin de la nuit, maman. Eh, les gens me disent que c'est la diarrhée, maman. Tu fais le gars sur la diarrhée, maman. Il est vraiment un homme, comment on dit qu'un homme? Deux macabres, la peau lui suffit pour arriver sur toi, maman, pour arriver sur cela. Plus ta nière est appelée aile de poulet. Attention, toutes les choses avec les produits chimiques dedans, comme ça, on a encore besoin de cubes. Maman. Wesh, pitiation. Mais ça va un peu petit malaba, un diamant vert, diamant rouge, diamant jaune. Ce sera tous les couleurs de diamant. Le diamant est déjà démodé. Il y a des pierres plus précieuses. Va chercher encore. Tu comprends? Et t'es au diamant de ton état. Qu'est-ce que tu racontes? Des petites filles qui viennent d'arriver en Europe, là, t'es pas 100 ans. Tu as vendu le piment, ça t'a servi à quoi? Ta mère te donne le terrain cadeau, gringa. Tu vas vendre le terrain, tu finis, tu dis que nous, on cotise. Tu dis qu'on cotise. Tu dis qu'on cotise, ne me fais pas pécho le petit dimanche. Tu me tentes. C'est moi qui vais finir. Non, mais papa, c'est de bonnes bonnes. On t'a que tu vas cotiser. Cotiser chez moi. Cotiser chez moi. Cotiser comme ma femme. Cotiser chez moi, maman. Nous tous avons besoin de bagarre pour ça. Ma maman, c'est qui a affaire là. Je dis à mon mari que pardon. Il me donne même 200$ là, qui a son niveau, bien entendu. Voilà. Quand une star interplanétaire comme ça. Thierry, le bon exemple devait commencer par qui? Mamie va finir de vendre le terrain, manger l'argent et venir nous emmerder pour dire qu'on doit cotiser le litchi. Tu es malade, madame. Tu es folle. Montre le bon exemple. On va partir d'abord à la prison. Après, on va partir à la CSI. Après, les prisonniers ne te veulent pas. Maman. Mouf. Idiot. Il faut
Nivakin, tu comprends, non? Bois un peu de Nivakin. Salade. Fais attention avec moi, je reviens encore. Cotisez chez moi. De souffle. Cotisez chez moi. Cotisez que chez moi, hein. Ne donnez plus rien là-bas. Cotisez que chez moi. Appelez, aligne ouverte. Vous me traitez une gringa. La ligne est ouverte. Ne donnez plus rien chez TikTok. Ne donnez plus rien. Elle va aller travailler. Maman. N'appelez pas ici. Appelez ici là. Merci pour les cœurs. Partagez le direct. On prépare une gringa dans la sauce tomate. La sauce gombo, le bébé. Partagez. Mets encore le numéro. Mets le numéro en commentaire. Partagez. Partagez. Elle a déjà eu 4 000 euros, elle s'est passée. Elle travaille, elle peut travailler 4 000 euros. C'est une mendiante. Mets le numéro en commentaire. Partagez le direct. Bonne guerre. J'ai mis le numéro. Voilà. Ah, le numéro en commentaire, appelez. On vous écoute. C'est de bonne guerre. Je suis les gens. J'ai maintenant ma part. Bossa prend sa pièce. Elle reprend. C'est la même chose qu'elle a fait à Flo. Les gens ont appelé, on a assisté Flo bien même. Vous croyez que Flo n'a pas vu le direct là? Flo voit tout, elle voit tout, elle suit tout le direct. Flo a vu. Flo sait que Gringa a partagé le direct. Vous croyez que Flo est bête? Elle n'est pas bête. Flo a bien fait de dire que Gringa n'est pas son ami, c'est sa collègue. C'est le mot là qui a fait Gringa. Gringa est devenue folle. Vous avez vu le direct là, non? Elle sortait pour clasher Flo. Je l'a puni. Hein. Elle est dormir. La dépression. Voilà mes comprimés que je prends ici. Dépression. Demandez le nom du comprimé ici. L'anembo indi. L'anembo indi. Et l'arme biche. Et l'arme azout. Qui appelle là? Appelez, mettez les cœurs. Oui, bonjour. Elle n'a pas dormi. Décide, ça pack. Elle appelle que. J'appelle pour dire que Flo a volé l'étoile de compression. Que Flo a volé l'étoile de compression. Ya, yeah, t'es cassé. On vole pour vos étoiles. Vous ne volez jamais. On vole toujours vos étoiles. On vole toujours vos étoiles. Flo a volé l'étoile de compresseur. Les autres sont signalés, maman, c'est signalé. Oh. C'est signalé. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Donc tu appelles pour qu'on a volé l'étoile. L'anglambézo. Ah, tu parles déjà à ton truc là. Tu parles de quel nom c'est quoi? La guerre. N'est-ce pas? Allons vous choper. On cotise pour Toby Hora. Papa, écris-moi sur le numéro, donne-moi le lien. Maman, tu m'attends. Pim, pim, pim. Regardez-moi le son un peu. Attends, qu'est-ce que tu veux quoi? Non, maman. Tu t'en dégages. Elle continue à insister à appeler. Insiste. Tu vas devenir savoir, Hora. J'ai un mes savoir ici, maman. Cotisez, Hora. Écrivez sur le numéro là, vous l'écrivez. J'envoie le lien, le truc, le PayPal. Hora. Hé, hey, on va danser. Hé, hey, Ndinga. Ndinga. Maman,
Tu as donc vu que c'est Flo. Tu as donc vu que c'est Flo qui est la gagnante. Flo est gagnante. Elle t'a dit qu'elle est gagnante aujourd'hui, demain et après-demain. Et tu vas supporter ça. Flo est la gagnante aujourd'hui, demain et après-demain. Après Flo vient Lolo. Ça ne chauffe pas. Tu vas partir rester au village. Allez. Cotisez pour mon pépin, je vais danser pour vous, maman. Cotisez. Allez, premier coup de danse d'abord. On a le direct, on a beaucoup de direct à faire. On va les traiter. Coup de matin. Je suis star. Hein. On ne suit, on ne coupe pas ma poilu, par exemple, c'est démodé. Même quand qu'elle ne peint pas, c'est démodé. Je suis star confirmé. Mafo, c'est la magie. Elles sont gagnantes aujourd'hui. Et du Flo et Lolo sont gagnantes aujourd'hui, demain et après-demain. Gringa est par terre. La Gringa Mani est la sœur qui dit la sœur de Mandian. Qui appelle là? Allô? Oui. Vous voulez soutenir le PayPal? Vous voulez soutenir le PayPal? Voilà. Donc je vais enregistrer le PDG canadien. Ok. Donc vous êtes sarroise. Donc vous... Non, ça va aller. Gringa est par terre, maman. Je suis star confirmé. Partagez le direct. Je vais venger tous les filles là qu'elle a monté les coups, les nancées, qu'on se veut les venger. Pourra. Je les venge. Tu veux encore parler? Ok, madame, parlons, vous écoute. Donc, il regarde tous les gens avec le. C'est sa bande. Tu vas voir, c'est une bande d'arnaqueurs. Au sol. Maman. Les deux poulets qu'il a lancés avec eux, deux porcs. Des porcs volés, même. Parce qu'il avait pris les porcs là, comme tu vois la Toby, comme un porc, mais bas, tu vas prendre le petit pour élever là. Il a pris comme ça à 15 000, il n'a pas fini l'argent. Il n'a pas fini l'argent, Toby, c'était à 15 000. Il a donné 12 000, il a encore les 3 000 de la femme là. Voilà ça comme ça, déjà la dette sur lui. Tu peux encore payer, tu souffres les gens, toi qui devais être un voyageur pour venir comme ça, faire les gens ont la joie. Il est là, le petit macabre qu'on a préparé avec lui rouge, il est là pour signer sur ça quand l'attaque, il dit que, il dit les réalités, ainsi pas ceci, ainsi pas cela, un mendiant. Il est revenu comme il est revenu là, regarde comme il est, regarde comme il finit debout. Regarde comme il finit debout son bouche, si quand on l'attaque, il est plus beau. Donc quand il se tourne, il danse, ses fesses balancent, c'est comme ta part là, mon petit. Hein? Donc quand il est debout là, quand il se voit qu'il est élégant, costaud comme toi là, un enfant. Regarde comme tu étais obéi et maintenant tu vois que tu as encore la même chose. Rien que la chaleur de Mbeng là, t'as tapé comme ça. Tu es déjà comme un grand garçon de bois que tu es un enfant. Hein? Bande d'affamés. Regarde celle qui est partie porter beau que Oshiga, reine internationale. De toi à moi. Celle qui chantait, oh yo yo, est-ce qu'avant on la connaissait? Non, elle a sorti seulement son morceau comme ça. Donc on a vu ça, comment ça a passé à la télé. Tu l'as vu cotiser tes litchis? Tu l'as vu cotiser tes litchis? Angle litchis, pour la chanson, c'est ceci. Il est mon gars, il est à moi, il est mon. Le message de l'idée a évolué, c'est encore un enfant. Les vieux ne peuvent pas être là depuis des années. Des années en Europe, c'est Toby, que tu connais que quand on était en Afrique, là, on avait la rage de venir comme ça, comment on va travailler. Ils ont cette chance d'être là, comme s'ils sont là pour nous distiller les connaissances. Voilà, la lionne là-bas au pays. Tu dis la lance même que dans la boue de cité belge, là, qu'elle nage pour arriver ici en Belgique, elle va nager. Je dis la lionne que tu vois là. Tu dis la lance même que dans l'eau, elle va nager pour venir parce que chacun veut venir se chercher. Tu vois nos petits frères qui prennent la route là, on dit que tu as pris la route. Toi, tu as vu toutes les souffrances qui sont en route. Comment les gens souffrent pour arriver ici dans l'Eldorado aussi. Qu'on est évidemment que c'est l'Eldorado là, mais ce n'est même pas ça. Mais les gens souffrent pour venir comme ça, sortir leur famille, sortir eux-mêmes de leur. Regarde Ahmed, tu dis que son pauvre père là peut rester comme ça, Toby, boire un verre de vin blanc. Je ne parle pas de vin blanc à Tango, je ne parle pas de vin blanc que tu connais là. Il peut boire un verre de vin rouge. Qui l'a pris où? Il a pris ça. Qui l'a pris? Ahmed a
pour lui avant de dormir dans la voiture. Et aller dormir chez une insolente comme cette cochie. Voilà. Une insolente comme ça. Surtout quand un homme supporte cette femme parce qu'il n'a pas où aller. Hein? Et tu vois, mais ils sont venus créer un groupe avec un prétexte à chier que c'est un groupe de ceci parce que c'est un groupe de aide-moi à détester. Tu vois les mangiens. Regarde la girouette du Maroc. Il a 10 000 diplômes depuis. Lui seul, il a 4 masters, 2 maîtrises, 8 licences. Il a tout. À boire, bah, il ne comprend, il est là que c'est le nounous. Celui-là, c'est le nounous. Si il est fort, Toby, voici son challenge. Prends la route comme Toby. Toby, à compter d'aujourd'hui, chaque semaine, je veux t'envoyer quelque chose pour déjeuner avec. Et s'il veut que c'est maintenant à lui que j'envoie, suis-moi. Parce que tu peux aussi perdre ce truc-là. S'il relève le défi, tu vas perdre. Toby, s'il relève le défi, tu vas perdre. Le défi pour lui, c'est ceci. Toby, le défi pour lui, c'est ceci. Qu'il prenne la route. Prends la route comme Toby Chou a pris la route. Maman, va tourbillonner dans l'eau. Si tu tourbillonnes, tu arrives en Europe, Toby perd le défi. Mais si tu calmes là-bas, Toby gagne le défi à vie. Donc rien que pour ça, Toby, elle ne peut pas te parler. Elle peut te prendre comme secrétaire. Hein? Son secrétaire, c'est celui-là là-bas qui ne peut pas prendre même un bateau, pirogue. Elle ne peut pas te prendre comme secrétaire. Je suis maintenant docteur. Son niveau de secrétaire, c'est celui-là là-bas. Il a un gros peur, un gros chat. Il n'a que derrière le téléphone pour inciter les femmes dans cri, dans ceci. Elle va partir faire un parti politique. Elle sait d'abord lire ou écrire. C'est ce qu'il faut savoir. Un chien qui miaule. Un chien qui miaule. C'est le chat qui miaule. Lui, il miaule. C'est un chien, il miaule. Miaou, miaou. Hein? C'est ça son niveau. Regardez-moi des gens, dis donc. L'opportunité, toi, on va cotiser dans le litchi. Voilà le challenge. Dis-nous ce que tu as fait avec l'argent du litchi. Nous, on va cotiser dans le litchi. Dis-nous ce que tu as fait avec l'argent du terrain, madame. Nous, on va cotiser dans le litchi. Mais si tu as mangé, s'il te plaît, tu laisses nos salaires en paix. Tu laisses nos salaires en paix. Tu laisses, il y a des enfants que nous pouvons aider. Maman. Oui, je connais le salaire déjà. Quelle arrête? Si elle ouvre encore sa bouche pour dire que le litchi, sans nous expliquer où sont partis les 10 millions qu'elle a vendu le terrain avec. Tu comprends, non? Ouais. On va vous parler. La mère, il y a un numéro qui appelle, hein? Il y a un numéro qui appelle. Ok, je raccroche d'abord. D'accord. Allô? Allô? Bon. Oui, c'est le père de Sarah au téléphone. Ok. On vous écoute, madame. Je voudrais intervenir, sinon. Vous avez dit, reprenez la phrase, madame. Reprenez la phrase, on vous écoute. Allô. Vous saluez. Après, moi, j'appelle. Vous saluez comme vous avez. On salue tout le monde. Allô. Allô. Madame. Avant de parler, vous saluez d'abord. Quand vous arrivez chez une personnalité comme ça, vous saluez d'abord. Oui, j'ai salué. Non, saluez. Bonjour, les Sarois et les Sarois. Voilà. Bonjour, les Sarois. Mes Sarois, on vous salue. Voilà, bonjour les Sarois et les Sarois, bonjour le père des Sarois. Bonjour. Donc, merci de me permettre d'intervenir. Moi, j'appelle par rapport à Nicole. Oui. Parce que Nicole, c'était quelqu'un que je suis au stade de détruire les familles. Franchement, moi, je pense que si vraiment Compressor l'aimait, parce que regardez comment Compressor protège ses petites filles. Elle ne veut même pas que ses petites, que ses filles apparaissent. Apparaissent dans ces vidéos. Mais jamais elle ne dit à Nicole d'arrêter d'insulter les gens. Mm-hmm. Elle insulte Rose, elle insulte Nancy, elle insulte Ndolo. Elle est venue de très loin. Mm-hmm. Et alors qu'elle a vu une petite fille, voilà maman qui a insulté les gens pour Compressor. Maman n'arrive plus à sortir. Sa vie a tellement basculé, elle a porté toute la marche. Nicole ne voit pas ça. Ce qu'elle fait pour Compressor, ça va retomber sur sa fille. Parce qu'elle a eu la chance de traverser le désert, alors que tout le monde, combien de personnes meurent dans le désert. Mais Dieu lui a permis d'arriver en Europe. Et c'est pour venir insulter les gens qui ne lui ont rien fait. Maman. Quand elle insulte Lolo, Lolo lui a fait quoi? Je sais. Elle dit que Lolo a exposé, a partagé une image de sa famille. L'image qu'elle a retrouvée sur Facebook. Quand elle-même elle partage les familles des gens, elle ne pense pas à ça. Donc tout ce qu'elle fait là, Lolo ne lui a rien fait. Elle a juré devant tout le monde que jamais elle ne va insulter Flore Denis. Qu'est-ce qu'elle fait depuis quelque temps? Elle a eu Flore. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ose dire que c'est Compressor qui est la seule blogueuse à avoir partagé
attaquer les directs. Franchement, à un moment donné, il faut lui parler. Il faut lui parler. Elle se met en danger. Bon, elle s'en fout. Mais elle ne pense pas à son enfant. Qu'elle prenne l'exemple sur maman. Qu'elle prenne l'exemple sur Nancy, sur Dolo, qui ont soutenu, qui ont fait les coups-bas, qui ont fait les coups sans vous avec mon fils. Elle s'en fout. Ah, c'est clair. Au point où compréhension expose les faux profits. Elle pense que c'est elle qui va échapper. Donc, voilà mon intervention. C'est juste pour attirer l'attention de Nicole. Mais il est important de se rétracter. Que la haine ne va l'amener nulle part. La haine est qu'elle ne trompe personne. Parce qu'elle pense qu'elle a montré un visage où elle appelait tout le monde tata, tonton, mon tonton, ceci, mon tonton, mon parcours me sent. Elle ne parle plus, elle ne défend donc plus. Monsieur Messa, pourquoi les défendons plus, monsieur Messa? Elle est là à cause d'acheter les ennemis de compression, elle ne sait même plus quelle direction prendre. Bon, merci de le faire de savoir. Merci ma soeur. Partagez le direct et abonnez-vous. Hein. D'accord. Appelez. Appelez le numéro est là. Celle qui a appelé quand l'autre parlait là, il faut appeler, je vais vous prendre. On a une bombe à parler. C'est pas une bombe à parler. Appelez, c'est la douce vengeance. Fais-moi un peu le bruit là. Non, ça, ça fait quand même. C'est compris ça. On a. Antenne publique. On n'appelle pas ici, la page est restée. Bon dimanche à vous. Hein. Merci, bonjour. On n'appelle pas dans le direct, la page est restée. Prends pas. Appelez le numéro qui est là, antenne publique. Appelle le numéro que tu vois par WhatsApp. On va te prendre, on t'écoute. Comme tout le monde est en train de le faire. La page est restreinte. Je suis le père des Sahrois, ça me chauffe pas. Le père des Sahrois et des Sahrois. C'est ça, exactement. C'est reconnu, je me fabrique maintenant moi-même. Non, mais là, c'est toujours un peu de la famille. Ça me chauffe pas. On va les traiter. Hop. Non, moi, c'est bon. Les numéros qu'ils connaissent, ne vous dérangez même pas. Et TKC connaît vos numéros. Je ne peux même pas vous prendre. Vous n'avez rien à dire ici. Les teubeux ne parlent pas dans le direct. Les illettrés dans l'alphabet. Prononce pas dans mon direct. Prends pas les tibés dans mon direct. Allez apprendre à lire et à écrire. Allez vous aider à faire des réunions pour vous instruire. Allez même vous instruire en bas des ponts avec votre mendiante gringa. Ce n'est que la saison 1, c'est le début. On va lancer les prochains directs. On va faire même soutien à Nancy, soutien à Bolo-Brima avec la ligne ouverte. Même quand ils appellent, je pose d'abord les questions. C'est qui, comme ça. Parce que je peux lancer, il commence à insulter Marco. Ah non, je suis ça. Le père est savoir et intelligent. Lolo et Flore sont les gagnantes aujourd'hui, demain et après-demain. Ça ne chauffe pas. Lolo est la yam de Flore. Flore est la yam de Lolo. Gringa, elle a teubé de son bouffon Thierry. Un couple de Zozo. C'est les Zozo. Il vient me parler, je vais me traiter. Avec moi confiance, des Sahrois, les Sahrois, et le père des Sahrois même a dit que les Sahrois, pas d'amitié avec la Tekaouou. Vous devez les traiter. Et partout, je vous donne le feu vert, partout où on me manque le respect là-bas, partez les rincer, vous les repasser. Les Sahrois et les Sahrois, vous avez beaucoup de travail. Les prochains, on va faire quoi là-bas? Vous signez les contrats dans les voices. Jamais. Les Sahrois et les Sahrois et sympathisants. Débrouillez-vous. On part le 2 novembre soutenir l'unique PDG. On n'a pas besoin de faire l'amitié avec quelqu'un. Notre présence là-bas doit faire du boum. Boum, boum, boum. Ça ne chauffe pas. Gringa, zéro litige chez toi.
comme je dis, comme il y a une TK qui a appelé, elle a parlé là. Zéro litige chez toi. Tu vas remettre ce qui me revient de toi. C'est moi qui mérite ça. Tu penses que tu mérites quoi? Tout dans la vie se mérite par un travail. Moi, lis les commentaires si c'est là le travail. Tu sais alors lire. Tu ne sais pas lire. Moi, je lis, j'écris. C'est un gros travail que j'ai fait ici. C'est moi-même qui écris. C'est qui? On est à 1h54. Nous allons seulement cotiser, c'est pour vous là-bas. Ma chérie, tu es Tekaou, va cotiser pour ta mère. Je ne suis pas illettré, moi. Je ne suis pas analphabète comme votre patronne. Elle a appris à lire et à écrire. C'est très important. Je lui ai dit qu'à son époque, à l'époque, elle était encore jeune. L'école privée était gratuite. Le lycée était gratuit. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas aller à l'école? Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas aller à l'école? Qu'est-ce qu'elle a fait pour ne pas aller à l'école? À s'asseoir, vagouiller partout, à venir polluer l'atmosphère. Qu'est-ce qu'elle faisait à sa jeunesse? Que l'école était gratuite. Les cours étaient gratuits. Lycée comme école publique. C'est bon? Gratuit. Elle signe les contrats dans les voice WhatsApp. Elle signe les papiers sans lire. Même la signature, elle ne s'aime pas signer. Votre patron peut signer un courrier. Hein? Votre patron peut signer un courrier. Dis donc, elle a besoin d'une délivrance. Allez prier, cherchez un pasteur, cherchez un prêtre ou un prophète qui va laver, qui va prier pour elle. Bref, bref, être analphabète n'est pas une maladie, hein, mais c'est une maladie pour les personnes comme celle-là. Ya! Yeah. Comment tu peux calculer l'argent et puis tu es bête? Hein? Coucou, darling, clean. How are you? Partagez, mettez les... Comment on appelle là? Elle vend les draps, les tricots. Oh. Elle peut préparer, elle peut tourner le couscous avec le nolet, elle vend. Elle peut faire le tourne d'eau au pays. Elle peut vendre la nourriture. Elle tourne le bouillon, elle fait le haricot sauté avec le pain. C'est le métier des illettrés. Vendre le pain, bon. Certains illettrés qui ont été témoins. Les jeunes qui vendent le pain là, c'est pas pour toi. Hein. Quand Tobi Chou dit va, je vais sans réfléchir. Merci, ma Sarouaz. Abonne-toi et partage. Oura. Ne chauffe pas. Où Tobi Chou dit va, tu vas. Je suis le père de Sarouaz et de Sarouaz. La preuve en est, beaucoup sont partis, ceux qui sont venus regarder le direct pour regarder. Mais les certains Sarouaz sont encore là parce que leur père est là. Quand je pars, eux aussi partent. C'est ça que ça. Chacun maintenant sa team. Les Sarouaz vont s'identifier à ici seul. Je suis le seul là qui dit la vérité. Quand il veut frapper, il frappe. Il ne réfléchit pas pour dire à une personne. Le tape sec. Chez moi, le tape sec est légalisé. Le tape sec est légalisé. Chez moi, le tape sec est légalisé. Oui. Chez moi, le tape sec est légalisé. Et merci à tous ceux là qui ont partagé le tir. Mais Sarouaz. Tu m'appelles plus bien dans mon direct, mamie, tu es sérieuse. Je suis le père des Sarouaz et des Sarouaz. Ma chérie, il n'y a pas de tourbillon ici. On a fait le plus. Je suis le père des Sarouaz et des Sarouaz. Non, je me couche seulement et prépare. Il y a des noms. Mes poils sont les Sarouaz et les Sarouaz. Hein? Oui, c'est une team royale. Elle connaît bien Dim. Elle a Osbo. Oui, c'est une team royale. Oh, tu appelles, tu as en allemand, tu appelles avec le crédit de 150. Allô? Oui, c'est dans ma connexion qui fait ça. Oui, on t'écoute, on t'écoute. Ok, merci. Je vais m'adresser à l'école de l'Italie là. Oui, adresse-toi, elle. D'accord.
Ciao, ciao. Pardon. Oui, on t'écoute, ma chérie, on t'écoute. Oui, Nicole, je vais m'adresser à toi parce que je sais que tu pourras se dire ici. Toi, tu es venu sur la toile. Tu nous chantais comment ma pépé et Flore étaient tes deux mamans. Mais après un certain temps, parce que Flore est tellement franche, elle est tellement directe, qu'elle te reprochait positivement ce qu'une femme qui aime un enfant doit faire, ce qu'une femme qui aime une personne doit le faire. Et elle fait en direct parce qu'elle ne veut pas qu'après, ça raconte partout comme avec compresseur. Donc on voit bien que toi, tu t'apprends aux gens qui insultent compresseur et aux gens qui insultent Flore, tu le prends, tu mets sous tes aisselles, tu dis que tu as fait la paix. Flore a demandé qu'on fasse la paix. Flore a demandé qu'on fasse la paix. Pourquoi alors tu insultes encore Lolo? Pourtant, elle t'a même parlé en disant que s'il te plaît, arrête d'insulter Lolo. Pourquoi tu n'as pas compris cela? Toi, tu es parti t'allier avec Borosan qui est grogné. Et grogné, les gens qui insultent Flore, maintenant, ok, là, il y a that's good, baby. Toi, tu es parti te rallier avec les gens qui insultent Flore matin, midi, soir. Et après, tu vas venir nous dire que Flore ne prononce plus jamais le nom de Flore dans ta bouche jusqu'à la tête finie. Voilà. Tu es une ingrate comme ton frère. Tu es une ingrate comme elle-même. Toi, tu vas te rallier avec les ennemis de Flore et puis tu viens dire Flore. Tu crois que Flore n'a pas peur aveugle? Et quand on va t'attaquer, tu vas dire que tu as soutenu Flore. Tu as soutenu Flore comme Flore t'a soutenu. Donc, quand ça a clashé Flore ici pendant un an à cause de qui? C'est pas à cause de toi. C'est pas parce que Flore est venue commencer à te supporter par rapport à l'histoire qui s'est passée avec ta maman que, donc, quand ça a commencé à la clasher, qu'elle a pris parti, qu'elle t'a supporté. Tu as oublié ça. Tu as oublié comment Flore a pris le coup ici, tu mets ta partout pour toi, ma chérie. Dans la vie, il faut être loyal. Et si tu veux être loyal, sois vrai dans ce que tu veux faire. Pourquoi toi-même, tu ne places pas le couple, mais ça? Tu ne la places pas aussi pourquoi? Wanda. Elle a pris les coups pour toi. Elle a pris les balles pour toi. Donc quand cela l'enchaîne ici pendant un an pour toi, tu ne vois pas ça. Et en passant, c'était tout ce que je voulais te dire. Ne prononce plus jamais le nom de Flore. Plus jamais son nom dans ta sale bouche-là. Parce qu'elle n'est pas aveugle. Elle même voit. Même si elle ne parle pas, parce qu'elle, elle s'en fout. Tu ne peux pas dire que tu es avec Flore. Et puis tu vas te rallier avec tes ennemis. Les gens qui l'insultent matin, midi, soir. Et si c'était perpétu, tu n'aurais pas fait pareil. Et puis tu veux mettre deux mamans. Prononce encore un nom de Flore. Un jour, le nom de Flore là dans ta bouche. Elle décide, va. Pourquoi on ne peut pas entrer dans votre passé? Toi, René, maintenant j'entends les gens t'appeler pas tout chou. C'est Flore qui est venu avec ses années chou. Remettez les noms chou là de Flore. Vous tous qui mettez les choux devant vos noms là, rendez ce nom là. Sauf moi, on n'a pas venu. Elle donc, quand Flore est appelée avec le nom Césabelle, elle appelait Césabelle chou pour les flatter. Vous avez pris le nom là, vous êtes en train de grandir ça partout. J'entends quoi, Batou Chou? Tu es Batou Chou depuis quand? Hein? René, depuis quand tu es Batou Chou? Enlève le nom Chou là dans ta bouche. Parce que c'est le nom qui est venu avec. Tout ce que Flore arrive avec, vous trichez. Vous trichez. Et quand vous trichez, même, vous ne pouvez même pas la respecter. Enlève Chou là, c'est ton nom vite. Tu es Batou Chou? Tu es René ou bien tu es Batou Chou? Batou Chou de quoi? Laissez-moi se faire coucher. Tu crois que le Chou là te mérite? Chou là, c'est le nom que ma foi avait donné à ses abeilles. Les abeilles, René, tu es Batou Chou? Toi, je vois que tu as fait des choses insulter tout le monde, on va te laisser. Peu Patrice, c'est elle qui veut te flore. Franchement, parce que si c'est moi, je descends sur toi, je passe sur toi comme le train. Tu ne peux pas dire que tu es enceinte et puis t'asseoir, tu vas insulter tout le monde, on va te laisser parce que tu es enceinte. Tu es enceinte parce que quoi? Tu es enceinte, tu vas venir insulter tout le monde, on va te laisser parce que tu es enceinte. C'est quelqu'un qui t'a enceinte. Hein? Si tu as peur, tu ne sais pas encore quelle couleur l'enfant aura. Tu as peur d'accoucher, que l'enfant soit de noir. Parce que dans ton cœur, là, tu es en train de paniquer. Tu as venu maintenant, c'est toute la frustration là sur tout le monde se met. Hein? Hein, madame, tu es tellement mauvaise, Grenée. Tu es tellement mauvaise. Tu sais cela que un jour, tu vas payer pour cela. Tu vas payer pour ce que tu avais fait à Flore. Hein? C'est blague. On peut voler le nom de quelqu'un comme ça et détruire toute une société. Voilà. Tu es le diable en personne. Quand je vois le parfum de passage, je mets dans ça, j'ai envie de voler. Comment tu vois le diable devant moi? Les gens ne disent pas que tu as fait l'enfer. N'appelez pas ici. Oui. N'appelez pas ici. N'appelez pas ici. Appelez par WhatsApp. Oui. Appelez par WhatsApp. Appelez par WhatsApp.
appelé par WhatsApp. Oui, j'ai dit que les gens ont fait l'appel. Il appelle par appel normal. Le nom de qui? Tu vis dans la méchanceté? Tu vis avec le diable, pourtant tu as les enfants et puis tu as celui, tu crois, tu as bien insulté. Le père de Sarwa a pris le pouvoir. J'ai pris le pouvoir. C'est le père de Sarwa et de Sarwaz. Ça me choque. Toi, grosse tête, j'ai une tête de pape, Bororo. Bororo, tu es maintenant arrivé sur Lolo. J'avais moi dit la tête sur Jean parce que Lolo là aussi, elle aimait trop le aide-moi à détester. Voilà ça, voilà où nous en sommes aujourd'hui. À cause du aide-moi à détester Lolo. Tu avais vu ce que Borossa avait fait à Flore sur Meda. Elle voulait récupérer sa team. Comme elle n'a pas pu, la jalousie a failli l'étouffer. Elle est venue exploser sur Meda. Bon, toi, tu sais la femme de tout ça. Mais à quoi tu aides-moi à détester, tu l'as accepté dans ta team. Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Vous ne savez pas qu'il y a certaines personnes dans cette toile à éviter, à fuir comme la peste. Bon, ça, elle a partagé mon direct. Elle a partagé mon direct. Elle n'a pas bouffé ton diable, maman. Le diable à personne. C'est pas de savoir. Ça, à éviter et à fuir. Regarde où nous sommes aujourd'hui. Borossa dit, tu n'as pas honte, maman. Tu n'as pas honte, tu ne peux pas être loyal avec tes gens. Même si l'amitié finit, ça fait que tu te retires tout doucement. Tu te retires, tu passes dans ton coin. Lolo t'a parlé. Non, la femme de truc n'est plus, elle te kiffe. Elle te fuit. Elle ne veut même pas sa vision à toi parce qu'elle ne veut plus rien avoir avec toi. Tu vois, c'est pareil, maman. Tellement de femmes là, ça fait plein de choses. Elle dit comment elle a entendu Doro à l'arrêt du 10-150. La personne avait bien vu. Parce que vous ne méritiez même pas à franchir le seuil de sa porte. Non, à l'arrêt de bus. Imaginez, si la grosse tête là, si t'es de papa, Doro, on a été en train de venir à mon un jour. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes où? C'est qu'elle est assise là-bas, c'est le truc, j'ai les balles, j'ai les balles. C'est qu'elle a trouvé la caresse de Hamot. J'ai les balles. Arrête, allô, Lolo, là, tu manges. C'est la seule baratée. Attrape là, tu manges. Vous avez. Vous avez fait ça, vous allez former les groupes. Le L1 était ça parce qu'il fallait détruire Flo, il fallait mettre Flo à terre, il fallait la mettre au sol. Mais vous avez oublié que chacun a son aura, chacun a sa chance sur la terre, chacun a son don. Vous ne diriez jamais Flo, vous l'avez compris avec moi. Allez toujours chercher des personnes, vous attachez à tous ceux qui la détestent, à tous ceux qui l'insultent. Pour finir avec elle. Comme ce que l'autre est en train de faire maintenant. Toi, contre ça, tu as l'ami de la toi, toi, maintenant, va moi te parler. Toi, je parle pas. Parce que quand tu attaques, tu dis que Flo parle avec Beuve, etc. Pourtant, tu sais que Flo a essayé d'arranger ce problème-là plusieurs fois. Plusieurs fois. Ça ne dérange pas. Mais toi, ça a permis que. On a beaucoup de direct à faire. Elle vient dans ton direct et puis elle insulte Flo, elle parle à Flo comme elle veut. Tu te me dis, soit tu insultes les gens. Prends à l'école, au lieu de venir t'installer là, tu mets ta douleur pour insulter les gens. Tu fous Flo. Nous, tu prends aussi plus pour venir l'insulter. Donc tu prenais aussi plus pour venir faire ta vengeance avec elle parce que Flo parle à eux. Elle doit parler à eux pourquoi? Vous avez les mêmes problèmes. Non, là, tu es vivable. N'importe quoi. Tomichou, tout. Tomichou. On t'a mis les cœurs, on t'a mis les cœurs. Tomichou. Oui, ma soeur. Je suis en Allemagne, non? Non, je suis à côté. Les gens, on t'a mis les cœurs, là, la femme qui parle. Là. On dit à une Gaëlle, et à qui t'a mis les cœurs. Que tu as très bien parlé. C'est ça. Gringa a toujours convoité Flo. C'est ça, c'est clair. Elle a toujours convoité Flo. La paix qu'elle a fait avec Flo, c'est la paix des manioc. On connaît, non? Le sang de Flo est amer, maman. C'est pas qui est ça? Le sang de Flo est amer. Ma Anna a marché sur son enfant, vous blaguez. Ma Anna a traversé le fleuve pour son enfant, avec le calisson, pour son enfant, pour blaguer. Fini, pour jouer. Même Nancy. Effectivement. Ok, il y a une personne qui veut intervenir là, comme je veux couper. On va taper les commentaires même après. Donc, je veux... D'accord. D'accord, on fait comme ça.
La personne qui a appelé là peut rappeler. Je vais y couper. Si vous avez encore à dire, vous dites. On a fait 2h15. On a beaucoup de temps. On a beaucoup de temps pour ça. Le numéro est épinglé. Merci à ceux-là. Je vais contrôler le direct. Pour ceux-là qui ont partagé, je vais prononcer les noms ici. C'est Claire Yonson, Daniel Bott. Je vois, j'ai vos partages. Merci aux nouveaux followers. Oh là là. Florence Maniafo, merci. Audrey Kawai, merci. Chapeau Kalamongo, merci. Patricia Dior, merci. Jean-Jacques Dédé, merci. Yvette Chonke, merci. La tigresse officielle, la maîtresse, bisous. Cécile Zenken, merci. Rosette Figaro, Corbeau, merci. Fiscaline, merci. Zinita Génie, merci. Koubim Bilitik, merci. Priscilla Edouarda, merci. Il y a tellement beaucoup de noms. Merci à ceux qui ont fait le partage. Kena, merci. Merci à un beau follower qui s'en fait d'appeler les noms. Doris Elsa, merci. Alec Lafleur, merci. Josiane Edor, madame Josiane. Dame, merci. Hélène Sté, merci. Richard Tou, merci. Mato Mato, merci. Teclair, merci. Tellement nombreux. Fille capricieuse, merci. Donc, tout ça qui dit merci là, les autres, c'était tellement trop long. Mais merci à vous du fond du cœur, aux nouveaux abonnés, à ceux-là qui ont pris la peine de partager le direct. Pour un bon début avec les vraies personnes qui ont partagé, c'est un grand merci. Et à ceux-là qui ont mis les cœurs, continuez de manifester sur la page. Parce que, vous savez, on a des ennemis qui ont faim, très mendiants. Jaloux de mon nouveau succès, qui est le père des Sarawas, de mes Sarawas et mes Sarawas, et ceux-là qui sont aussi les sympathisants, je vous dis merci et bienvenue dans la famille. Ça ne chauffe pas. Il a dit que maintenant, moi-même, j'ai ma part. Chacun crée sa part. Riche. Le temps d'aller, on n'est plus dedans. Donc, merci à ceux-là qui ont pris de la peine pour partager, mettre les cœurs. Les prochains directs, le meilleur reste à venir. Soyez concentrés. Bienvenue à vous abonner là, ce sont les vrais followers qui ont décidé de me suivre. Et continuez toujours de partager, même après le direct, partagez. Pour me soutenir, elle a vous d'écrire. Je vous envoie le lien. Merci à la dame du Canada et merci à ma soeur de l'Allemagne là. De toute façon, on se reprend après. Adrien Tchouka.